Petit portrait de l'homme de droite. L'homme de droite bosse. Lui. Et considère que les autres ne foutent rien. Il déteste ceux qui ne foutent rien. Surtout s'ils sont pauvres. Un pauvre qui fout rien, pour lui, c'est une merde. Tandis qu'un riche qui fout rien dans un paradis fiscal, c'est un type qui a tout compris. À la télé, l'homme de droite aime les débats politiques entre des hommes très à droite, des hommes de droite et des hommes du centre droit, qu'il considère comme des couilles molles. Quand il sort, l'homme de droite voit des spectacles de qualité, avec toujours de vraies vedettes, dans des théâtres, avec des dorures. Des pièces distrayantes, avec toujours un canapé au milieu de la scène. Et des acteurs qui, à un moment, rient. Mais il faut que les acteurs, à un moment, rient. Pour lui, c'est ça, le théâtre. L'homme de droite est persuadé que dans le milieu du théâtre, il y a beaucoup de PD. C'est son mot. C'est pourquoi il préfère le théâtre de distraction. Car il pense qu'il y en a moins. La communauté homosexuelle de droite est très discrète. Ils sont trois. L'homme de droite n'aime pas les jeunes. Surtout les jeunes qui parlent comme des jeunes. Il préfère les jeunes qui parlent comme des vieux. La femme de droite est active et parfaitement épilée. Elle adore Pierre Arditi. Ah, pour elle, il n'y a pas mieux. La femme de droite sourit beaucoup. Souvent pour rien. Elle boit du champagne. La chatte parfaitement épilée. Elle garde toujours à l'esprit qu'elle doit faire l'amour avec son mari une fois et demi par semaine. Son mari apprécie surtout la demi-fois. C'est là où il prend le plus son pied. Elle adore montrer son enthousiasme pour des livres ou des pièces qu'elle a vues. Montrer qu'elle n'est pas qu'un pion du monde industriel, mais qu'elle a un véritable point de vue, personnel. Très souvent, elle n'en a aucun. Contrairement à la femme de gauche, qui a un point de vue extrêmement argumenté, qu'elle assène à toute personne qu'elle croise, au point de faire chier tout le monde avec. Merde! Nous dirons donc que la femme de droite, avec un minimum de 3 coupes de champagne, est plus reposante. La femme de droite vieillissante se teint les cheveux en blond. En revanche, ça ne gêne pas la femme de gauche d'avoir des cheveux blancs. Elle peut même avoir les cheveux sales. Ainsi qu'un petit parfum de sueur. Alors qu'une femme de droite qui a les cheveux sales et qui sent la sueur est alcoolique. Sexuellement, la femme de droite a toujours du plaisir. Quand elle n'en a pas, elle fait semblant d'en avoir pour faire plaisir à son mari, qui aime l'efficacité, le chiffre. Et qu'à chaque accouplement, il coche une case dans sa tête. Des comptes qu'il pourra ressortir le jour où elle le quittera. Tu ne peux pas me quitter. Je t'ai fait jouir à 87,5%. Aujourd'hui, Pierre-Yves te dit qu'il est à 92,8%, mais enfin, quelle est sa base de données? Sur quelle échelle de temps se place-t-il? Fais confiance aux chiffres, Ariana. Tu dois rester et optimiser notre potentiel. Ce n'est pas comme la femme de gauche qui n'arrête pas de se plaindre. Tu vas trop vite. T'aurais pu te laver les pieds. Et mon orgasme, c'est ton option. La femme de droite est volontaire. Quand l'homme n'est pas en forme, elle chevauche, elle bataille, elle mord. Contrairement à la femme de gauche, qui ne fait que la moitié du chemin et qui attend de l'homme qu'il fasse l'autre moitié. Mais merde, y en a marre, la femme!
L'homme de gauche est tolérant. Oui, en tout cas, il en est persuadé. Il peut rire de tout, à l'exception des homosexuels, des arabes, des handicapés, de nos militaires en action, des prêtres ouvriers. De François Mitterrand, des associations caritatives, de Claude Lévi-Strauss. Contrairement à l'homme de droite, l'homme de gauche est souvent mal habillé. Il peut même arriver que lorsqu'il se baisse, son pantalon descende derrière légèrement et nous laisse entrevoir sa raie des fesses. C'est pourquoi Claude Lévi-Strauss affirmait, je cite, « Lorsque l'on voit apparaître la raie des fesses d'un homme qui se baisse, on peut être sûr qu'il s'agit de la raie d'un homme de gauche. » Merci, Claude. Pour ma part et pour ce qui concerne la vie quotidienne, je suis pour une cohabitation droite-gauche. J'habite une maison de gauche, petite, bordélique et toujours en travaux, mais dans un arrondissement de droite. Pour l'instant, je suis dans un théâtre, disons, de gauche. Mais enfin, si ça marche fort, j'irai dans un théâtre de droite. Avec de belles dorures, des places très chères et un public en cravate. Et qui s'en vaut, lui ? Mais je ne vous oublierai pas, public de gauche, à qui je devrais mon succès dans ce théâtre de droite. Alors qu'est-ce que vous attendez? Profitez de votre main droite pour taper sur la gauche et de la gauche pour taper sur la droite. Un succès, on l'a dit, oh! Excuse-moi, Dominique. Excusez-moi, monsieur Trichet. Fais voir. T'as du sperme, là. Je te jure, là. Là, t'as du sperme. Non, pas là. Non, pas là. Là, là, c'est ta Légion d'honneur. Là, ça, c'est du sperme, je te jure. Je sais pas, Dominique. Non, je te jure. Non, c'est pas des blagues. Non, attends, franchement, je plaisante pas. Non, attends, non, attends. Attends, ça serait vraiment nul. Mais je te jure, regarde, mais regarde, je te dis, c'est du sperme, là. Mais là, mais regarde, bah baisse les yeux, regarde. Enfin, fais-moi confiance, regarde. Je te dis que c'est... Purée, mais regarde, baisse le regard, baisse. Voilà, hop là, pichenette.